Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va superbement bien. J'espère que tous mes chers et tendres abonnés vont bien, comme moi. En tout cas, moi, je pète la forme. Je rends grâce à Dieu pour ça. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, j'avais bien envie de parler d'un gros paradoxe sur Didier Arafat. Oui, ça, c'est un paradoxe que j'arrive pas à comprendre. Donc, j'ai essayé de déceler trois raisons. Qui sont pas affirmatives, mais c'est juste des hypothèses, voilà. Et donc j'aurais besoin de vous aussi en commentaire pour me dire de ces trois raisons, où est-ce que vous situez le problème Didier Arafat. Voilà, il y a un truc que je comprends pas. Didier Arafat est l'artiste coupé des câlins le plus suivi. Peut-être l'artiste ivoirien, peut-être, ça je n'ai pas trop connaissance. Avec plus de 2 327 902 ou 911 abonnés sur Facebook et plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Mais j'ai un truc que je comprends pas. Certes, on parle de piratage, comme l'a dit le confrère d'une chaîne. On s'en fout pourquoi? Parce que avec ce grand nombre d'abonnés là, normalement Didier Arafat ne doit pas avoir des difficultés à remporter rapidement ce disque d'or ou de platine, normalement, voilà. Et moi, je suis resté là à m'interroger, et puis je me suis demandé, mais c'est quoi le problème avec Didier Arafat? Est-ce 1, parce qu'il a simplement des faux fans? Est-ce 2, parce que tous ses abonnés là sont fictifs? Est-ce 3, parce qu'il a simplement, parce que simplement son travail ne plaît plus à ses fans. Voilà, je situe ce problème entre ces trois axes-là parce que je me dis, avec ce nombre d'abonnés que Didier Arafat a là, et normalement il ne doit vraiment pas avoir de problème à ramasser les disques d'or, les disques de platine. Et c'est bien beau d'être suivi sur les réseaux sociaux et c'est une autre chose d'être vraiment soutenu lorsque tu fais sortir une œuvre. Et j'arrive pas à comprendre. Et moi, ce que j'aimerais pas, moi, je pense bien que Didier Arafat a de bons fans. Je pense, hein, ça c'est mon opinion personnelle, il a de bons fans. Donc, puisqu'il a de bons fans, il serait plus judicieux de les voir se débattre, on va dire, se démerder pour lui rapporter rapidement ce disque d'or là. Parce que c'est un peu vraiment bizarre, très très bizarre même. Parce que je suis là à réfléchir, et puis je comprends pas. Des personnes, quand tu parles mal de leur artiste, ils sont des centaines de milliers à réagir négativement, avec soit des injures, avec des propos désobligeants. Mais l'artiste fait sortir, son album depuis le 28 décembre dernier, qui a bien commencé. Mais tous parlent de boycott. Oui. Certes, je sais qu'il y a boycott, mais pour votre nombre-là, le boycott ne doit même pas vous faire peur. Parce qu'on est là, on ne sait pas quelle est la tranche d'âge même qui suit Didier Arafat. Parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est de 13 ans jusqu'à 65 ans et plus. On ne me dira pas que les abonnés de Didier Arafat sont que des enfants. Voilà. Pour dire qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour s'acheter un Dix ou bien pour s'acheter quelque chose sur des plateformes payantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Didier Arafat est l'artiste coupé décalé à qui on attribue toujours des fans qui n'ont rien à la tête, des fans qui sont très jeunes, qui sont nés il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais moi, je crois pas. Moi, je crois pas parce que je connais des personnes qui suivent Didier Arafat, qui sont responsables, qui aiment bien ce que Didier Arafat fait. Voilà.
Mais franchement, les amis, j'espère que vous essayez de comprendre un peu ce que je veux dire. Hein. Tu ne peux pas être suivi à des millions d'abonnés sur tes comptes réseaux sociaux et puis ne pas être aussi influent dans les ventes de ton album. Voilà, c'est quand même bizarre. C'est quand même vraiment, vraiment bizarre. Et je m'interroge. Voilà, donc ce paradoxe-là. J'aimerais bien que les fans d'ici Jarafat viennent essayer de me rassurer en se manifestant pour acheter l'album de leur artiste. Parce que c'est bien beau de défendre leur artiste lorsqu'il est attaqué, mais c'est aussi beau d'acheter vraiment, vraiment son album. Parce qu'actuellement, on crie au boycott et j'ai l'impression que ces fans-là se cachent derrière ce prétexte-là pour ne plus... agir, vous ne plus acheter l'album. Et là, je pense que c'est malheureux. Voilà. Donc, j'étais en train de dire d'assumer. Hein? Vous êtes appelés les Chinois, vous faites appeler les Chinois. Donc, il faut agir comme tel. Les Chinois, c'est des gars qui sont nombreux. Leurs artistes en Chine ne se plaignent pas parce qu'ils achètent l'album de leurs artistes parce qu'ils sont quand même nombreux. Ils n'ont pas besoin du reste du monde même pour rendre les artistes milliardaires ou super riches. Donc, manifestez-vous aussi pour votre président, voilà, Kédji Arafat. Malheureusement, il y a des personnes qui ont pour habitude de dire en commentaire que c'est parce que l'album n'est pas bon que les gens n'achètent pas. Ne prenez pas ce prétexte-là. Généralement, ceux qui disent ça, c'est parce que c'est plus des pirates. Ils n'ont pas pour culture d'aller acheter un album sur iTunes ou bien sur les plateformes payantes. C'est la vraie raison. Ne vous cachez pas comme quoi l'album n'est pas bon, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas acheter. C'est que du n'importe quoi. C'est faux, c'est archi faux et vous le savez. Faut pas on va se mentir, hein? Faut vraiment pas on va se mentir. On se connaît en détail, on sait qui fait quoi. Et donc, ne venez pas dire que c'est parce que l'album vaut rien que les gens ne veulent pas acheter. Si l'album était gratuit, sur des sites de téléchargement gratuits, là. On n'allait même pas entendre que l'album n'est pas bon. On n'allait pas entendre ça. Chacun allait télécharger ça gratuitement et écouter ça bien dans son salon. Mais comme c'est payant, on trouve un aiguillon comme quoi c'est pas bon. Un mec va passer 4 ans de sa vie. On l'a insulté, 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 insulté durant tout ce temps-là. Si cette histoire d'album-là, et il s'est débrouillé pour vous le faire sortir, et vous dites que l'album n'est pas bon. Ah, vous aussi. Comme si vous saviez chanter. Vous savez ce que c'est chanter. Vous pensez que chanter c'est facile. Vous pensez que chanter c'est facile. On peut même écrire un texte pour vous et vous ne pouvez pas décoller. À pour vos raisons, quelqu'un qui va s'asseoir là pour réfléchir, à écrire quelque chose, quelques phrases, rentrer en studio et poser sur une note. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Encouragez, hein. Si vous n'encouragez pas, comme je dis, la fermez là. Et puis laissez-nous encourager. C'est le plus important. Voilà. Donc la Chine, moi en tout cas, je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, quoi. Voilà, vous pouvez perdre des millions comme ça, et puis pour avoir un Dixdor, on traîne, 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 traîne. Mais si on disait, on a besoin des plus grands insulteurs pour, on va dire, froisser quelqu'un ou bien pour le descendre, il y a très confiance à la Chine. Ça, vous êtes champion dedans. Voilà, on a qu'à se dire la vérité. Vous savez que moi, mon porte n'est pas valise. Il faut vraiment vous manifester. Voilà. De la manière que souvent vous insultez les gens qui attaquent votre artiste, c'est comme ça que vous devez acheter massivement l'album aussi. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça que DJ Rafat a besoin. Sinon, le reste, c'est que des détails, quoi. C'est que des détails. Voilà. Bref. Donc, ce qu'on va dire, on se donne rendez-vous dans quelques heures. Dans quelques heures. Pour une nouvelle actualité. Voilà. Parce que j'ai un petit mot à dire à mon artiste de Bordeaux, les Koufa. J'ai un petit mot à lui dire. J'espère que les moignons ne vont pas se fâcher. Voilà, parce que les moignons passent leur temps à se fâcher seulement. C'est simplement, je supporte Didier Arafat. Je soutiens Didier Arafat pour son disque d'or. Quoi de plus noble? Quoi de plus noble? Mais bon, c'est la vie, hein? On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour nous prononcer sur le cas des Bordeaux Likoufa. C'était votre homme, c'était Eritor. J'espère que cette vidéo-là vous a encore plu.
partagez-la et continuez de vous abonner. Voilà, le micro-trottoir arrive, lourd, 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 et tout le monde sera servi. Voilà, ciao, ciao les amis.